Ok, on retente God of War en espérant qu'il y aura moins de crash que la dernière Qu'est-ce fois qui vous arrive à tous les deux? Allez, du balai! parce que j'ai dû faire un peu de coupe dans les épisodes 12 et 13, oui ça. Donc là on va espérer que ça marche mieux. Il y a eu un correctif sur Proton qui, espérons-le, a résolu quelques problèmes. Hé, le bruit court que quelqu'un a fait taire cette grande gueule de Magni. Vous y seriez pas pour quelque chose, des fois? Ce serait plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose? Mauvaise pour vous quand son père l'apprendra. Mais moins il y a d'as dans les parages, mieux je me porte. Tiens, je vous offre la prochaine amélioration. C'est vrai? Non. Waouh. Oh, j'ai failli oublier. Brock, voici notre nouvelle amie Mimir. On se On se connaît. connaît. Oh, pourquoi tu l'as pas dit? Demande-lui. Me demander? Parle pour Parle toi. Pour toi. Silence. Ça suffit, vous deux. D'accord. J'aurais mieux fait de me taire. Sindri et toi, vous pourriez pas faire la paix. Ça peut pas être si grave. Vous êtes frères. Viens pas me parler de famille. C'est pas moi qui ai oublié ce qui faisait notre nom. Les armes qu'on forgeait étaient légendaires dans les 9 royaumes. Et ce, depuis plus d'années que je saurais en compter. On fiche pas tout ça en l'air juste pour une mauvaise... Une mauvaise quoi? Rien du tout. T'aurais pas autre chose à faire? Hé, hey, qu'est-ce que t'as fait de ta vache? Comment ça? Je l'ai mangée. J'en ai évacué des bouts pas plus tard que tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Quoi? Elle donnait plus de lait. C'était ton ami. Alors elle doit être contente de m'avoir bien nourri. Ma parole, gamin, t'es un vrai sentimental, tu sais. Tu devrais faire attention à toi. Allez, je m'y remets. Qu'est-ce qu'il vous faut cette fois? Alors, est-ce qu'on aurait... Là, on a dit que là, c'est nul. Fiston. Encore toi. Ah. Ah, ça, je vais peut-être acheter ça. Sais pas trop si ça va me servir, mais bon. Ça c'est nul. On dirait que ça a Ok. marché. Ok. Alors tourner dehors, je pense que le. Je pense que ce que je dois chercher est en dessous. Descendre encore. Hop là. Oh, le tombeau de Tyr est derrière cette porte magique. Ouais, c'est ça. Hein. Donc il doit y avoir un truc là-dedans. En fait, viens voir. Je vais te montrer Ah. comment ça se lit. Ce n'est pas nécessaire. Tu m'as appris tellement de choses. À mon tour pour une fois. Atreus. Allez, tu le parles déjà. Apprendre à lire sera un jeu d'enfant. Je sais déjà lire, mon garçon. Mais pas cette langue. Alors t'as fait la moitié du chemin. Bien. Les runes représentent un tas de choses différentes. Des dieux, des animaux. Attends. Oh, je vais trop vite. Non, Désolée, c'est je pas vais. ça. Tu ne sens rien. Si, c'est vrai. Comme une odeur de pluie.
Caché! J'ai mérité ce maudit marteau! Et maintenant, tout le monde va croire que je l'ai récupéré parce que Magni est mort! Je vais être la risée de tous! Mais si je te tue, personne ne se moquera de moi! Non! Ah, idiot! Tu tiens ça de ton père ou tu crois que ça vient de ta mère? Elle était bête en plus d'être laide. Ok. De ma mère. Oh, c'est vrai. Mais je vais apprendre à te connaître sur le bout des doigts. Tu vas devenir mon nouveau frère. Dès que j'en aurai enfin terminé avec ton père. Là, il devient super saiyan. Oups, j'y suis allé un peu fort. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Ah, fallait que je fasse une. Ok. Non, entendilo. Je connais pas bien le nom des boutons sur la manette, c'est pour ça. Miss. Viens voir. Je vais te montrer comment ça se lit. Ce n'est pas nécessaire. Tu m'as appris tellement de choses. Ouais. Mon tour pour une fois. Allez. Atreus. Allez, tu me parles vite. Déjà. Apprendre à lire sera un jeu d'enfant. Je sais déjà lire, mon garçon. Mais pas cette langue. Alors t'as fait la moitié du chemin. Bien. Les runes représentent un tas de choses différentes. Des dieux. Des animaux. Des... Attends. Oh, je vais trop vite. Désolé, non, c'est pas vais. Ça. Tu ne sens rien. Si, c'est vrai. Comme une odeur de... De pluie. Tu as tout gâché. J'ai mérité ce maudit marteau. Et maintenant, tout le monde va croire que je l'ai récupéré parce que Magni est mort. Je vais être la risée de tous. Mais si je te tue, personne allez, ne se moquera de moi. Thomas, tu l'as déjà dit. Non. Ah, idiot. Tu tiens ça de ton père ou tu crois que ça vient de ta mère? Elle était bête en plus d'être laide. C'est vrai. Mais je vais apprendre à te connaître sur le bout des doigts. Tu vas devenir mon nouveau frère. Dès que j'en aurai enfin terminé avec ton père. Oups. J'y suis allé un peu fort. Non. Allez. C'est pas fini. Mon frère, le garçon. Atreus. Tu dois l'emmener chez Freya sans plus tarder. C'est sa seule chance. Je vais en faire une coupe. Non. Là, faut que j'y aille vraiment là. Là, ça va être long hein, les gars. Oui, Ayo. Prends le bateau. Freya n'est pas loin.
Oui, j'ai là. Bon, ben on est reparti. On est reparti. Ça crache encore. Cette fois-ci, au bout de à peine 10 minutes. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc j'espère que ce sera vite corrigé par Valve. Parce que là, ProtonDB, c'est quand même un peu pas terrible. Là. Que ça crache tout le temps comme ça, là. Pas ouf, pas ouf. Enfin, un peu chiant. On va espérer là que Odin t'a à l'œil, frère. ça recrache pas Surtout trop depuis vite. que tu as tué un des siens. La forêt de Freya lui est inaccessible. C'est notre meilleure option. Et si quelqu'un peut le guérir, c'est elle. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai vu ça chez certains mortels. Les conflits de l'esprit peuvent se manifester par des mots physiques. Je ne l'avais jamais vu chez un dieu, mais un dieu qui se croit mortel, ça ne me surprendrait guère. Nous y sommes presque. D'appeler le serpent. C'est vrai. Fièvre le consume. Et il tremble. C'est grave. Nous devons faire vite. Allez, un petit bonhomme. Freya! Ouvre cette porte! On a besoin de toi! Bon sang, est-ce que tu m'entends? C'est très urgent! Je suis toujours une déesse. Allez-vous-en! Mon garçon est malade! Freya! Il est malade. Entre vite. Ce n'est pas une maladie ordinaire. La vraie nature de ce garçon, ta vraie nature, se bat en lui. Tout est ma faute. Tu vas m'aider. Bien sûr. Il existe un ingrédient rare qu'on ne peut trouver qu'à Helheim. Le gardien qui protège le pont des damnés. C'est son cœur qu'il me faut. Helheim. Le royaume des morts, tu le connais? Pas celui-là. Un froid glacial règne sur ces terres. Le feu ne peut y brûler et aucune magie dans les 9 royaumes ne peut y produire une étincelle. Quant aux morts, ta hache de glace ne servira à rien. Il te faut autre chose. Je dois retourner chez moi. Déterrer un passé dont j'avais juré qu'il resterait enfoui. Peu importe qui tu étais avant.
Cet enfant n'est pas ton passé, c'est ton fils. Et il a besoin de son père. Cette rune ouvre le pont vers Helheim. Quand tu seras là-bas, ne traverse sous aucun prétexte le pont des damnés. Nul ne peut en revenir. Tu as compris? Atreus. Heimle, tu dois te dépêcher. Dans mon jardin, un chemin te mènera à ma barque. Prends-la, retourne chez toi. Déterre ton passé. Fais ce que tu as à faire, mais apporte-moi le cœur de ce gardien. Et ton fils vivra peut-être. Pars. Freya. Lors de ma dernière visite, je... Non. Tu as raison de ne pas faire confiance à la parole des dieux. Inutile de te justifier. Pas auprès de moi, pas pour ça. Je veillerai sur lui. C'est la promesse d'une mère. Allez. Fallait que ce soit Helheim. Tout va bien, frère? Où faut-il que j'aille? Ah, faut que j'aille là-bas. J'ai une tâche à accomplir. Ne m'interromps pas. Comme tu voudras. Ça pue. Pas possible qu'il y ait Thor qui vienne nous embêter. Ok, bon ben on reprend, nouveau crash et tout, c'est chiant, là je retends, enfin on refait une dernière fois et puis prochain crash on s'arrêtera là, parce que c'est un petit peu fatigant quand même, donc je pense que je passerai sur Divinity Original Sin, que je prépare également. L'Enhanced Edition, for sure.
Ok. Allons-y. Bon, vu l'orage qu'il y a, je pense que je serais pas étonné que Thor. Voilà. Hop là. Oh, salaud. Bon. Ah bah voilà, ça c'est très bien ça. Paf. Comment ça se fait que ça... Comment ça se fait que... Comment ça se fait que ça là, il... Oh putain. Putain. Comment est-ce qu'on fait là? Oh. Oh. Oh putain. Allez, vas-y. Oh putain. Oh putain. Ça va aller. Allez. À ta gauche. Oh putain. Oh non. Debout, mon frère. Ok, bon. Je crois qu'il faut que je pars les trucs en fait. Mais bon, c'est un peu chiant. Hop là. Oh.
Ah, attends. Oui, attends. Attends. Ok, vas-y, reviens, 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 reviens. Je crois qu'on va faire ça, hein. On va se battre. Vas-y, reviens, reviens, reviens. Ah, elle est presque, presque dead, hein. Comment est-ce qu'on fait pour ranger cette putain de hache? Allez, venez les gars. Paf, voilà. Vas-y, venez les gars. Je vous attends. Hein. Vas-y, hein. Ok. Ah, t'as loupé. Ok. Merde. Ok, vas-y. Ok. Ok, vas-y, réessaye. Ok. Ok. Hop là. Hop là. Vas-y, même pas mal. Vas-y, vas-y. Hop là. Vas-y gros. Oh. Vas-y, vas-y. Tiens, très bien ça.
Tu n'as nulle part où te cacher, Spartiate. Tu auras beau mettre autant de distance que tu veux entre toi et la vérité. Ça ne changera rien. Tu peux prétendre être ce que tu n'es pas. Un mentor, un mari, un père. Mais il y a une vérité à laquelle tu ne pourras jamais échapper. Tu ne peux pas changer. Tu demeureras à jamais un monstre. Je sais. Mais je ne suis plus ton monstre désormais. Bien, voyons de quoi ces lames sont capables. Oh. Hop là. Ma foi, oui, ces lames te seront utiles à Elheim. Il doit y avoir une porte vers le monde entre les royaumes, en plein milieu du jardin. Pratique. Prends ce raccourci et de là, rends-toi à Elheim. Okay. Je suis à peu près certain que ce n'est pas à moi que tu parlais tout à l'heure. Tu n'as pas quelque chose à me confier? Je t'assure que je garde les secrets comme personne. Bon, tu sais où me trouver. Et pour ta gouverne, j'avais déjà deviné que tu étais grec. Athéna, impossible de se tromper. Allez, c'est long.
magie d'un autre monde. Par les saints de Nana, qu'avons-nous là? J'ai jamais rien vu de tel. Un héritage familial, forcément. Non. Et ça ne sera jamais. Écoute, mon frère et moi avons créé Mjolnir pour le grand crétin. J'ai l'œil pour ces trucs. Et ces lames, elles ne sont pas... Bon, mais comme je disais, on s'arrête là. Ça sert à rien de faire plus. Ça va durer un peu plus longtemps, mais là c'est trop chiant.